Congolais panda, Azuli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Kongo Kongo lipanda Asali libango Kongo lipanda Peninga Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo lipanda. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Point de Vie, bonjour et merci de nous recevoir chez vous comme d'habitude avec l'invité principal de l'émission Point de Vie, l'homme de Dieu, l'évêque Pasteur Cass. Ensemble avec lui, aujourd'hui, nous discuterons et sur beaucoup des questions que vous avez posées par rapport à l'émission passée. Nos esquisses par rapport à 10 dernières minutes de l'émission émission Liki sont compliquées, moi, Mouké, ce n'est pas notre faute. Zaki faut ta technique, mais aujourd'hui on a essayé d'arranger. Nous sommes là avec nos deux micros professionnels pour tourner votre émission Point de Vie. Beaucoup de questions par rapport à l'émission passée, comme j'ai dit. L'homme dédié a donné des conseils au sénateur Jean-Pierre Bemba par rapport à l'émission passée. Vous avez aussi posé des questions sur cela. Vous avez aussi applaudi d'autre part. Et avant le 8 juillet, le peuple congolais, tous, Zaki, agitation par rapport à Dauphin. Déjà, Bimissi est fini le suspense. Vous avez posé aussi des questions si l'homme dédié peut aussi parler, malgré toi, l'ingramarama politique, tu es retourné en Ango. Vous avez aussi posé des questions par rapport à ce qui concerne le plan de l'éternel des armées sur la RDC Congo. Quel plan Dieu, le Dieu que nous prions sur le Congo, est-ce que Dieu connaît le Congo? Est-ce que Dieu aussi s'intéresse par rapport aux crises politiques que le peuple congolais traverse aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu dit en particulier par rapport au processus électoral? L'homme de Dieu, shalom. Shalom. Plus de 28 candidats comme candidat président de la République. Et parmi ces candidats, il y a l'un de pasteurs qui s'appelle le pasteur Ngoï, qui est aussi candidat président de la République. Les téléspectateurs de l'émission Point de Vie, tout une question. Est-ce que le lopo kimi ekote na mboka Congo? C'est très important qu'il y ait un serviteur dédié, pasteur, évêque, archibishop, à la président de la République. Bon, tout ce que je sais, c'est qu'un véritable homme de Dieu consacré à ce service sanctifié ne peut pas faire la politique. Pour qu'il y ait la paix au Congo, il faut que la volonté des Congolais soit faite. C'est tout. Parce que ce sont les Congolais qui sont propriétaires du pays. Si leur volonté profonde et manifestée, accomplie, et les habitants du pays vivront dans la tranquillité parce que ils auront réussi à traduire leur propre volonté, leur désir. C'est comme ça. Pour qu'il y ait la paix dans l'Église, il faut que la volonté du chef de l'Église soit faite. Pour qu'il y ait la paix dans les foyers, il faut que la volonté des chefs de famille, les hommes, soit faite. Ainsi pour la terre, par exemple, le monde entier, il faut que le chef de la terre, celui qui a créé la terre, les cieux, le Seigneur Yeshua, vienne sur la terre pour qu'il y ait la paix. Il est le roi de paix. Sar Shalom, en hébreu. Il est le prince de paix. Le roi Shlomo était son représentant. Pendant le règne du roi, le pasteur Shlomo, c'était la paix, c'était la préfiguration du millénium, le règne de paix. Ça s'appelle d'ailleurs le règne de paix. Mais avant cela, mon cher ami, il y aura toujours des troubles, il y aura des bruits de guerre, il y aura des guerres. Partout sur la terre. Merci. Le programme même pour la fin du monde, c'est la guerre mondiale. Merci. Émission Sigo et Bandit, Toye Naba question Botunaki. L'homme de Dieu, est-ce que sur le plan biblique, Dieu est contre ou pour le tribalisme?
Le tribalisme, c'est la politique. Le tribalisme, c'est l'égoïsme. Le tribalisme, c'est mauvais. C'est ce qui a été pratiqué dans notre pays à son accession à l'indépendance. Ceux qui étaient nommés, ceux qui étaient désignés, choisis comme dirigeants, juste, ils ont manifesté qu'ils étaient tribalistes. Ils ne se sont pas intéressés à des classes, à des têtes, à des gens formés. Ils se sont rebattus sur leurs tribus. Les Savougou a pris les Bakongo, le Mumba a pris les autres, ils étaient là. C'était le cafouillage total. Les gens de Louloua, Louloibou, ils se sont pris sur les Kassayens, Louba, et c'était des troubles interminables. Alors Mobutu a fait le coup d'État pour mettre fin au tribalisme. Mais lui-même, il était très tribaliste. Donc Dieu est contre le tribalisme. Il est contre la jalousie, il est contre l'égoïsme. Il est contre les rivalités. Or, la politique, ce sont des rivalités, sur-rivalités. Donc, le Seigneur est pour le royaume. On a un roi, comme en Belgique. Et puis, c'est fini. On a un roi, comme lorsqu'Elohim dirigeait son pays, son peuple. Lui, il établissait un roi. Pas des histoires politiques, les uns pour celui-ci, les autres pour celui-là. Donc, ça, c'est Satan. C'est Satan qui fait ces choses. Donc, la politique égale Satan. La politique égale le diable. La politique égale le mensonge. Mais c'est Satan qui dirige la politique mondiale à travers le chef religieux qui est au Vatican. La politique, c'est vraiment l'œuvre. Quand vous regardez ce qui se fait chez nous, Congo-Brazzaville, un peu partout, hein, par-ci, par-là, vous verrez que c'est Satan et non Dieu qui a l'œuvre. C'est Satan. Merci, l'homme de Dieu. Sur le plan biblique et sur le plan spirituel, quels sont les profils d'un homme d'État? Pour qu'une personne puisse être chef sur le plan biblique et spirituel, chef du peuple. Oui, chef du peuple. Est-ce qu'il y a des profils? Ah oui, c'est écrit. Il faut accomplir tout ce qui a été défini par le Seigneur. Vous avez dans Deutéronome 17 qui devait accéder à la royauté. Quand vous venez dans l'église, vous voyez une partie de ce qui est exigé pour être évêque, c'est-à-dire le surveillant d'une assemblée locale. 1 Timothée chapitre 3, depuis le verset 2, et ainsi de suite. Premièrement, il faut aimer la population. Ensuite, il faut être en connexion avec le Seigneur. L'homme en question doit avoir été choisi lui-même par le Seigneur. Il faut connaître la parole de Dieu pour administrer avec justice le droit. Il ne faut pas être cupide, être menteur. Il ne faut pas faire de la politique. Ainsi, le prophète Branham a dit, les rois en Israël, ils commençaient bien sous la direction du Seigneur, mais dès qu'il commence à faire la politique, le Seigneur les enlève. Il est remplacé par d'autres qui ne pouvaient pas faire la politique. Parce que quand vous devenez politicien, alors vous prenez parti. Vous prenez parti contre les uns et pour les autres. À ce moment-là, c'est le camp. C'est ainsi que nous étions en paix chez nous. Avant l'arrivée des Belges et des Flamands, c'était des royaumes. Le Bakongo, c'était le royaume Congo. Le Kasaï, c'était le royaume Louba, royaume Louloua, royaume Kuba. C'était bien. Et ils sont venus avec la pensée occidentale. Ils nous ont imposé, ils ont créé des divisions. Les rois qui étaient dans notre pays, les rois Congo, se visitaient.
Mon nom, le nom que moi je porte, c'était le nom d'un autre roi qui visita le père de mon père, qui était aussi roi. Le jour où il est arrivé, mon père est né. Alors, le grand-père, il a dit, alors, l'enfant qui vient de naître, c'est toi, parce qu'il est né le jour où tu es arrivé. Je lui donne ton nom. Mon nom, c'est le nom d'un roi, Cassandre, qui me rencontre. C'était des gens qui vivaient bien, qui se fréquentaient, il y avait des valeurs. Maintenant, il y a acculturation, il y a mélange des coutumes, tout, tout. Le mariage n'a même plus de sens ici. Le mariage qui mettait le pays en valeur, qui était respecté, le mariage avec les vierges, le mariage avec beaucoup de femmes, pour avoir la main-d'œuvre cultivée, avoir beaucoup. Les Occidentaux sont venus nous dire qu'il faut abolir ça. Donc vous êtes contre ça ? Très, très contre. Et ils ont instauré la prostitution, ils nous ont amené la prostitution, l'adultère et beaucoup d'autres choses. Ça sont des choses de chez eux. Si nous sommes comme ton oui, que nous avons adopté. Qui est mal aujourd'hui. Très mal. Regardez le pays comment il est. Regardez sur les motos. Regardez les femmes qui ne se respectent pas. Regardez vous-même. Comme ton émission, vous l'avez nommée Congo Lipanda. Mais il faut qu'on aille en profondeur, qu'on prenne tout ce qui est de l'Occident en tant que mentalité. Qu'on leur renvoie ça. Aujourd'hui, nous aspirons à la démocratie. Est-ce que c'est mauvais lorsque notre peuple ici se comporte mal ? Il faut aspirer à la royauté. Et voilà, on dit, la démocratie ne marchera pas. La dictature ne marchera pas. Ce qu'il faut, c'est avoir un roi. Il n'y aura plus de guerre. Avoir un royaume, un roi, quelqu'un qui est aimé, qui est couronné comme roi, c'est fini. En Belgique, il n'y a pas ces choses. Par exemple, le roi de Belgique, le roi est là. Les ministres peuvent être changés, mais le roi, c'est le roi. Quand il part, c'est connu déjà qu'il sera succédé par un membre de famille. Le roi. Ils ont commencé par le roi Albert ou quelque chose comme ça. J'ai oublié les histoires. Le prophète Panama a dit ce qu'il nous faut, c'est avoir un royaume, c'est revenir à la Bible. Merci. 089-00-6349, c'est bien maintenant de lire de vos questions que vous avez envoyé à l'évêque. Par rapport à tous ces désordres qui se passent aujourd'hui, poser la question à Tricasse, est-ce qu'aujourd'hui c'est très important que nous puissions voir un père de l'Église du Congo pour que la paix revienne dans nos églises? Qu'est-ce que fait le pasteur Casse lorsqu'il y a aujourd'hui des ordres au sein de nos assemblées? Qu'est-ce qu'il peut dire et donner comme conseil par rapport à tous nos pasteurs, à tous nos évêques et tous les bishops que nous voyons aujourd'hui? Mais les évêques en question qu'on observe au Congo, il y a longtemps, ils n'étaient pas là. Il y a longtemps, ils ne s'appelaient pas des évêques. Pour eux, ça, c'était catholique. Prenons l'exemple de là où j'étais dans le message, là, à Rigini. On n'avait pas d'évêque. Si moi, j'ai été exclu de Rigini, frère Thomas, prédicateur principal aujourd'hui avec son frère Ken, et frère Thomas donc avec moi, Firmé, Manuel, de Rigini en 83. Mais c'est parce qu'on avait dit qu'il va de Franck, qu'il est évêque, je dis. Ils ont dit non, ça c'est la dénomination, il ne peut pas y avoir des remplaçants de frère Brannan. Alors nous avons suivi les conseils du prophète Brannan. Nous avons, nous, dans l'église primitive, mis fin au désordre. Nous avons eu un surveillant général qui surveille depuis 83. Nous sommes dans la surveillance. Tout le monde sait que nous avons surveillé, même sur les enfants de frère Brannan. On avait commencé ici même à Rigini. On a surveillé sur les anciens ou les prédicateurs qui étaient là, qui ne comprennent absolument rien. Aujourd'hui, ils sont tous dans la confusion. On leur avait annoncé que cette assemblée sera détruite. Aujourd'hui, c'est comme ça. Tous sont sortis des lieux. Donc, nous sommes allés surveiller même l'apôtre Evan Franck qui avait amené le message. Nous avons démasqué comment il a entrecoupé le message du temps de la fin.
sur le mariage. Il a fui, c'était chez lui. Où est-ce qu'on n'a pas été? Nous sommes allés ensuite chez les traducteurs même des enseignements de Frère Renan, François Lépicard. Nous l'avons surveillé, il a été démasqué, il a reconnu que nous avions raison et qu'il allait parler à Joseph Renan. Nous avons surveillé tout, nous surveillons tout, partout ici. Nous avons la surveillance. Maintenant, ça a été adopté aussi par les imitateurs. Tel et tel se sont appelés, là, sans même avoir un apôtre. Les évêques ne se nomment pas évêques, ils doivent avoir des gens qui leur ont apporté le message. Mais oui, comme ce que je suis en train de dire, ils doivent dire comment ils ont reçu l'évangile qu'ils prêchent. Parce que celui qui a apporté cet évangile, c'est un apôtre, un prophète. Nous avions William Marion Branham, qui venait envoyé du ciel. Après lui, Eva de Franck, envoyé aussi du ciel. Maintenant, eux, parce qu'ils ne pouvaient pas rester permanents dans toutes les villes, ils pouvaient avoir des surveillants locaux. Ici, nous étions à l'église. Avant, c'était chez nous. C'est ça l'ordre. Et puis, Eva de Franck avait envoyé quelqu'un ici, Henri Falcon. Sa photo est ici. C'est lui qui est venu établir l'ordre dans notre assemblée. Il a été combattu par des firmes médicales. Il a dit non, voilà, c'est comme ça. On n'avait pas cette ordre. Parce que depuis Rigny, il n'y avait pas d'ordre. Mais aujourd'hui, dans l'église politique, il y a l'ordre. Oui, c'est ça qui met fin à tous les troubles dans l'église. Parce que quand il y a cet ordre, vous avez un surveillant général. Quelqu'un qui comprend d'abord le message, qui aime le message, et puis qui est le père des prédicateurs sur la terre. Voilà un surveillant général. Il peut convoquer les conférences, discuter avec ses enfants, comme ça se fait. Lorsque les gens retournent au village, ils doivent voir leur village natal. Et nous, notre assemblée est une assemblée natale, un village natal, des prédicateurs qui sont aux États-Unis, des prédicateurs qui sont en France, des prédicateurs qui sont au Rwanda, qui sont partout, au Kenya, sur toute la terre. Ils sont nés ici, sous mon ministère. Ainsi, je peux les appeler comme ils étaient venus l'autre fois. Ils viennent et ils posent des questions, reconnaissant en moi leur père, avec la lettre P minuscule. Parce que majuscule, c'est le Seigneur. Sachant que tout ce qu'ils ont reçu, ils l'ont reçu de quelqu'un. Ainsi le Seigneur les bénira toujours. Ils sont éparpillés dans le Kasaï, ils sont au Bas-Congo, un nombre indéfini, ils sont au Congo-Brazzaville, beaucoup d'assemblées, ils sont nés. Les prédicateurs sont tous nés ici à Sion. Donc ce n'est pas quelque chose d'inventé, vous dites, je suis bishop, nous sommes ici au Congo, vous vous donnez un titre en anglais. Tout ça, ça montre que ce sont des imitateurs. Ils ont de l'église de Christ. Ils imitent l'église du Seigneur. Aujourd'hui, c'est comme ça que la paix peut régner dans l'église. Et dans l'église du Seigneur, il y a toujours la paix. Dans l'église du Seigneur, il y a dans l'église primitive, c'est ça la vraie église. Il y a la paix. Donc ça veut dire que c'est anormal aujourd'hui lorsqu'un serviteur est sort de lui-même et qu'il n'a pas de place spirituelle. Mais c'est anormal. C'est anormal, c'est inhabituel. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de prophètes qui sont comme ça, sans père spirituel, mais leurs églises sont complètes tous les jours. Oui, c'est délivré dans le champ. Si vous lisez Matthieu 13, cette herbe appelée délivrée, ça ressemble au blé, mais ce n'est pas du blé. On va arracher tout d'après l'enseignement prophétique, mettre dans le feu. Ils viennent d'où? Ils sont nés de qui? On doit toujours poser la question. Moi, je pose toujours aux gens la question. Tu viens de quelle assemblée? Plusieurs fois, ils se cachent. Quel est votre pasteur? Qui vous a prêché? Ils ne savent pas répondre à ça. Donc, un véritable enfant du Seigneur, il a son pédigré. Il le connaît, c'est comme toi, c'est comme moi, c'est comme le caméraman. Il connaît le village natal, il connaît son père, le père de son père. Il peut y aller, avoir l'historique. Mais lui, il est au stade, non? Il n'est pas évêque. On ne verra jamais un évêque avec une équipe de football. Il est le président d'une équipe. Il contribue
est en train de contribuer par rapport à la jeunesse de notre pays. Mais il n'a pas été envoyé pour la jeunesse, il a été, s'il est serviteur de Dieu, il a été envoyé pour prêcher le message, pas pour former les joueurs de football. Quand on croit au réel Seigneur Yeshua HaMashiach, on arrête avec le foot. C'est ça le mot. On arrête avec la boxe. On arrête avec les bars. Si quelqu'un va au stade, il va aussi dans le bar. S'il va dans le bar, il peut aller voir les petits. J'avais appris récemment qu'ils étaient en justice de la terre avec Edingo. Vrai ou faux, je ne sais pas, j'ai appris. Edingo réclame l'argent, je ne sais pas. Il doit avoir fait pour lui des fétiches, maintenant il ne donne pas l'argent. Ah. Edingo doit même avoir dit, mais c'est lui qui est venu dans notre monde. Alors ne me parlez pas de ces gens, monsieur. Ce sont des joueurs. D'ailleurs, c'est un joueur. Il fait des aventures. Les gens qui étaient avec lui dans le groupe de Dieu, qui lui ont prêché, ils sont ici assis là. Ils écoutent le message ici. Comment restaurer l'ordre? L'ordre a déjà été restauré avec le message du temps de la fin envoyé par le dernier prophète qui est le pasteur de l'église sur toute la terre aujourd'hui avant le retour du Seigneur. Si vous y revenez, vous entrez dans l'ordre de Dieu. C'est tout. On ne peut pas avoir l'ordre là où Dieu n'est pas. Elohim ne peut pas être avec quelqu'un qui n'a pas envoyé. Sur la terre aujourd'hui, il n'avait envoyé qu'un seul homme comme prophète restaurateur de toutes choses. Eliyahu viendra et il rétablira toutes choses, y compris l'ordre. Si vous revenez, par exemple, dans mariage et divorce, paragraphe 165, il a dit, Dieu a établi un nouvel ordre. C'est ça l'ordre. Un mal et de nombreux autres. Tous ceux qui s'opposent à cet ordre, ils ne peuvent même pas être sauvés. Elohim a un ordre, c'est la seconde alliance. Nous sommes dans la seconde alliance, établie par lui-même, ayant ses deux pieds sur la terre, en Israël, lorsque ça s'appelait le jardin d'Eden. Mesdames, mesdames, je me suis très cher pour les spectateurs de l'émission Point de vie. Nous avons le privilège d'avoir parlé l'eau, au salaire de l'âge de Pasteur Casse. C'est un plaisir de vous parler. Bien, merci à l'émission Point de vie, félicitations. Nous allons dédier Pasteur Casse. Et pourquoi Barouti, il a beaucoup plus de membres que Pasteur Kass, aussi longtemps lui s'est dit qu'il marche dans la vérité. Autant de la vérité personnifiée ou manifestée dans la chair. Anissa, Yeshua HaMashiach. Il n'avait que 11 personnes dans son ensemble. Mais les faux, ils savent comment attirer les faux aussi et avoir beaucoup de morts. Les pharisiens les surpassaient. Frère Branham dit, tous les pharisiens surpassaient le Seigneur quant à la gentillesse, quant à d'autres choses. Oui. Quant au don de l'esprit, c'est-à-dire être comme ceci, être poli, il est surpassé. Mais lui, c'était la parole. C'est la différence. Donc, c'est une très bonne question et je crois qu'elle est venue par l'esprit. Parce que ces 3-4 jours derniers, jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à ça. Barouti ne croit pas au ministère de Frère. Il ne croit pas au message révélateur du prophète. C'est un ennemi vis-à-vis de Frère. Mariage et divorce. C'est ainsi dit le Seigneur Yeshua, le Sauveur. Au paragraphe 10e, version de Lausanne en Suisse. Première version qui parut ici parce qu'il y avait des conflits sur la polygamie. Le prophète Branham dit, avec le sujet mariage et divorce, il y a des gens qui s'en iront
d'ici après que j'aurai fini de parler et qui ne croiront pas. Ces gens-là dont il a parlé au paragraphe 10, c'est des baroutiques. C'est les Vibidi. C'est les Dio. C'est Eval Franck. C'est Billy Paul et Joseph Branham, les enfants du prophète. Ils ont tiré sur la polygamie. Moi, votre frère, je les ai attrapés. Voilà pourquoi on me complique pour le visa pour les États-Unis. Je les ai attrapés et sachez, ils ne se défendront jamais parce que je les ai attrapés. Et ils n'ont pas d'éléments. J'étais jusque dans leur bureau. Que ce soit en Allemagne, chez Valfran, que ce soit aux États-Unis. Je les ai tous maudits au nom du Seigneur. Et Valfran a tiré sur la polygamie. Je l'ai attrapé. Joseph Branham et son frère, ils ont tiré aussi sur la polygamie. Ils ont enlevé ces passages. Moi, je les ai attrapés. Aujourd'hui, beaucoup de gens essaient de comprendre. Frère Branham dit là que Baruti ne croit pas son mot. Mais toujours dans le paragraphe ici, continue Branham, il dit, mais il y a aussi d'autres qui sont ici qui s'en iront en croyant. Ils forment un groupe international. En ce temps-là, en 65, je n'avais que 12 ans. 11, 12 ans. Mais nous étions déjà représentés par les vrais, s'il y en avait là. Moi, j'étais aux États-Unis. Je n'ai trouvé personne qui croyait. À Jeffersonville, là où Branham a prêché. Le pasteur, incrédule, maudit, 2 ans après, allez, le Seigneur l'a enlevé. Il l'a enlevé et du tabernacle et de la terre. Calice. Les morts. D'abord, il était chassé même du temple. On ne se moque pas de lui. Maintenant, Baruti a dit, au mois de novembre dernier, vers 14h15, devant les prédicateurs de son obédience, c'est-à-dire des gens trompés, tous ceux qui prêchent les fausses doctrines de cet honneur, disons de cet honneur, qui disent que c'est révélé. Joseph Branham, qu'ils ont adopté comme leur chef, il les a tous rejetés en disant ce sont des faux pasteurs. Et eux, ils n'osent pas le dire, parce que le Seigneur les a confondus. Donc Joseph Branham les envoie tous auprès de moi ici pour qu'ils viennent ici à l'Ivala. Écoutez le message. C'est l'un d'eux qui me l'a dit parce qu'il a compris mon enseignement sur le mariage et le divorce. Le pasteur Mobonga de Bandaka qui s'était fait violence pour m'inviter afin que j'exposa le mariage et le divorce. Ce qui a éclairé toute la province jusqu'aujourd'hui. Ils ne peuvent pas le dire. Mais moi, je vous dis que Joseph a tout rejeté. C'est le 3 septembre de l'année passée. Bonga me l'a dit. Joseph a rejeté la polygamie, il a rejeté les 7 honneurs. Moi, j'ai dit, mais vous, qu'allez-vous faire? Parce que moi, je vous ai dit ça avant, à l'Équateur. Hein? Vous vous êtes acharné sur moi, vous m'avez parlé, vous m'avez insulté. Aujourd'hui, c'est lui qui le dit. Qu'allez-vous faire? Ah oui, nous allons le combattre. Il dit, comment? Nous allons le dire dans nos assemblées. Et ils craignent tous d'entrer par ici. Ce que Joseph a dit là, c'est qu'allez tous à Lingwala, asseyez-vous. Enlevez le costume des prédicateurs. Parce que vous ne l'êtes pas. Vous prêchez les 7 honneurs à Rigini, à Shekina. Mais les 7 honneurs n'ont pas de message dans la vie. Donc, vous ne prêchez pas. Baruti a dit ce novembre dernier, devant les gens. Mais les images sont là, il les garde, il avait piqué une crise qui l'a mené déjà à la mort. Devant Kefa, mon enfant, pour me regarder. Devant Ehud, mon enfant, pour me regarder. Tous deux jeunes prédicateurs. Il a manqué de réponse. Il a manqué de montrer que Frère Branham aurait dit dans le 7e saut que le 7e saut était révélé plus de 1000 fois ou de 7 ans. Il a piqué une crise. Et il a dit, coupez ça et jetez. N'appelez pas ça être incroyable. C'est un adversaire. C'est l'adversaire de l'esprit. Ne crois pas.
Et Wolfram ne croit pas le médecin. Billy Paul et les autres, ce sont des religieux comme les prêtres. Ils ont pris le nom de William Branham sur tous ses enfants. Allez voir comment ils ont conçu. C'est pour tromper. Comme c'est le nom de Branham qu'il porte, comme c'est le sang de Branham. Mais Billy Paul, c'est lui qui a tué Branham. Ce n'était pas connu et Wolfgang m'a envoyé la lettre. Témoignage de Sarah Branham, qui était la seule personne à être témoin. Des circonstances qui ont amené le prophète du Seigneur à être assassiné. Comme Sarah Branham a dit, mon père a été assassiné de la manière dont je veux. Tous ces démons-là, moi je les ai qualifiés comme ça chez eux. La police était là, tournoyant. Moi, j'ai dit à mes frères, ne craignez pas. On nous arrête pour la cause de la vérité. Donc, Baruch ne croit pas le message. Lequel il croit ? Lequel ? Le message, c'est le mariage et l'erreur. Ce sont les sept choses. Il rejette le. Merci. Nous sommes arrivés à la ferme d'homme de Testola. Plus de 55 questions qui restent. Donc, plus d'un mot, samedi, parce que le mardi, c'est la réunion. Merci d'obliger pour le temps de vous donner un autre. Je vous remercie, surtout pour la dernière question. Merci. Merci. Un numéro de contact, parce que les gens demandent à tout moment les numéros de contact. Toujours le même, si 0. Vous avez aussi une adresse email, vous pouvez aussi donner. Oui, ça c'est et primitive. Je vais voir si j'ai ça dans une broche. Parce que les gens cherchent sur les réseaux sociaux. Ouais. Nous y sommes. Je ne sais pas. Vous allez les rajouter. Ah, ça peut être là. Ça peut être là, l'adresse email, brochure, mariage et divorce. Vous pouvez lire ça ici. Mon numéro reste le même, c'est 049 199 58. Adresse email contact @eglise-primitive.org. www.eglise-primitive.org. Voilà là où Branham avait prêché sur le mariage de l'Église. École supérieure. Mais le débat avec qui? Avec j'ai débattu avec les prêtres, les Barouti, Eva de Franck, tout le monde, dans le monde entier. Il n'y a plus personne. Merci. J'espère que Christian, au CPL, m'a répondu papa, merci, par rapport à l'émission. Merci et restez scotchés. Ciao. Congo les panda. Oh. Congo les panda. Azili kanisi ya malamu puna kusepelisa Banambuka Kongo Kongo li bangu Asalili bangu.